Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices. Bienvenue dans le bulletin d'information Cadence Info qui passe du lundi au samedi. Pour une bonne factualité dans le bulletin d'information, là, c'est cause et corruption. Joseph Lambert lui-même, qui est président de Tibouti dans la Créteil, lui sorti une note de presse. Il y a des dispositions que le gouvernement prend lui-même pour que la douane et yo contrôler et puis machine vite teinté. Et nous connaissons l'autre factualité à disposition que la PNH prend pour mobiliser troupes liyo et pour présence policière yo ka camper et paraître dans pays d'Haïti. Nous gen Steven Benoît lui-même ancien sénateur de la République qui entendit li pas d'accord avec causer détenter vite machine. Et bien Steven Benoît lui-même nous connaît que c'est un ancien opposant, il toujours opposant. Et n'importe qui s'acte dans le pays, il n'y a pas jamais d'accord. Nous avons pile point, nous allons développer la bulletin d'information. Et tout de suite après, ben nous fini et nous toujours dit nous ça, restez gardés jusqu'à la fin. Parce que après, nous allons faire commenter à nous, nous allons faire analyse sur ce qui a passé dans le pays. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la bulletin d'information, comme nous connaissons, et nous avons parlé de dossier corruption qui a continué dans la bulletin d'information. Et avant nous commencer l'émission, on a dit mounyo en pile mon ami mandé pour nous parler de causer et déteindre vite machine et nous ouais et gantan gagné on note de presse qui sorti gantan gagné conférence de presse qui bail gantan gagné l'autre formel qui passait pour déteindre n'a pas retourné tout à l'heure avec causer déteindre vite machine. C'est une raison pour kakwape kidnapping. Et n'a pas entré avec Joseph Lambert lui-même, et nous connaissons Joseph Lambert, lycée et président Tiret Sénat Créteil là. Et Joseph Lambert, monsieur, et mettez une note de presse au nom du Sénat de la République. Et nous prenons les notes de presse pour nous, parce que pas oublier, le bulletin d'information, nous te débattons en pile sous cause de corruption et dossier corruption, Youri La Tortue lui-même, qui s'est ancien président commission et éthique et anticorruption, mais c'est lui-même qui papa corruption. Et nous songez, nous te fait une conférence de presse que ancien sénateur Youri La Tortue bail côté il dit c'est pas lui-même seulement qui a un acte de corruption, mais c'est tout sénateur autour qui ça sont pratiques liées. Et ça veut dire pas parce qu'elles sont pratiques et pas parce que nous tout a fait pour lui pas un acte de corruption. Eh bien c'est là même note et on dit de ça que sénateur Joseph Lambert, président Tiret Sénat Créteil là, t'es sorti une note de presse que nous prenons li pour nous. Et vraiment, ça montre nous le niveau corruption dans le pays d'Haïti, plus précisément au sein du Parlement haïtien. Comme nous toujours disons dans le Cadence TV Radio, plus précisément, dans le bulletin d'information Cadence Info, nous pas fait nouvelle, nous pas une nouvelle. Et ben nous lit et note de presse ça que Joseph Lambert mettait de yo et le Sénat, note de presse, le bureau du Sénat de la République est vivement préoccupé par un dossier qui sur la forme d'une copie de chèque et c'est pas d'une copie de chèque, c'est copie de plusieurs chèques et roule en boucle sur les réseaux sociaux dans la nette intention d'embarrasser un ancien président du Grand Corps et d'entacher la réputation de l'institution. À cet égard, il croit opportun d'apporter les précisions suivantes pour l'identification des uns et des autres. Chaque sénateur a un bureau départemental siégeant au chef-lieu du département. Ce bureau s'alimente financièrement au budget du Sénat pour son fonctionnement et la rétribution du personnel. Ils incombent au sénateur et à lui seul de désigner une personne de confiance comme coordonnateur de ce bureau, lequel coordonnateur signe un contrat avec le Sénat. Ce contrat, une fois validé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, est acheminé au ministère des Finances pour l'émission des chèques mensuels strictement destinés au paiement du personnel et au fonctionnement du bureau. Dans cette affaire, il n'existe donc aucun fait ni soupçon de corruption
tel que prétendu par plus d'un. Fait à Port-au-Prince le 3 mars 2021. Bon, et Joseph Lambert, nous toujours dit ça. Et malgré, nous ne pas d'accord gain de le avec vous, mais où son sénateur que nous toujours gain un penchant, toujours apprécié à ce pour Joseph Lambert. Oui, depuis longtemps. Depuis le M. Télanza fait unité, nous connaissons M. Télanza fait l'espoir. Nous avons toujours compris pour lui, parce que M. son comédien, M. le la parle, il a fori, il n'a pas jamais fâché à moun. Vous comprenez? M. son moun qui jovial. L'ensemble, ça m'a toujours compris et pour sénateur Lambert. Mais cependant, l'on note ça que président Tibout Sénat, mais deux là, ou vraiment prouver sénateur Lambert que le Sénat de la République, parce qu'on ne va pas parler de la Chambre des députés, parce qu'on y a là, c'est avec sénateur qu'on a parlé, parce que c'est eux-mêmes qui représentent eux, et m'kwe, notre de presse, on mette de eux là, c'est avec approbation sénateur. Ça prouve nous que son vaste association de malfaiteurs qui est dans ce qu'a fait dans le Sénat. Ou prouver ça. De préférence, plutôt pas jamais mettre notre de presse ça de yo. Et le ça, Yuri la Tortue lui-même, il a passé comme corrompu pour tête li, malgré que nous connaît, et Yuri la Tortue lui-même, il était dénoncé que c'est tout sénateur qui fait ça. Soit avec notre de presse ça, Joseph Lambert, ou vient montrer nous que vous faites partie de corrompu qui l'en l'État haïtien. Li inacceptable. Et inconcevable. Pour nous prendre tout haïtien pour des canards sauvages. Pour nous prendre toute petite population que ça qui vit en Haïti à l'étranger comme des idiots. C'est pas dit que nous dit que sénateur a pas gain droit gain bureau. D'ailleurs, la loi interne, li gen droit à un bureau dans le chef-lieu département, pas de problème. C'est pas là le problème. Pas essayer bouiller. Parce que nous-mêmes nous là pour nous décortiquer et permettre que la population mieux comprenne. Parlementaire yo gen droit à bureau. Mais cependant, ou pas qu'après un monde qui dans bureau là, y a ba ou d'essayer de l'argent. On peut prendre n'importe qui moun qui pas travaille dans l'État pour mettre chèque sous nom. Ça sont prêts non liés. Ça fait partie de la corruption. Prêts non, ça relé. Et en plus de ça, le ou parlementaire lui-même, s'il y a payé, mais c'est pas moun que la prend, la travaille pas en bas. C'est pas eux même ou supposé t'en coupon l'eau l'argent. Ou la gèle même moun sa, et puis moun sa kounya la li même, c'est sous nous qui pas même a travail l'institution parlementaire la, et puis c'est li pral changer l'argent cash pour la distribuer by moun. C'est ça, oui. Ça veut dire, pas de ken contrôle sur ça. C'est ça que les corruptions. C'est l'on l'argent a sorti la caisse l'État. Parce que pas oublié, Jean-Moi et sénateur Lambert parle, li parle de quoi? Et le Sénat de la République, c'est que sont l'autre pays lié pour contre lui. Même là, ils sont l'autre pouvoir, même toujours relevé de institutions étatiques, oui. D'ailleurs, c'est la finance. Parlement, allez, mais même là, il y a un budget. Ça ne veut pas dire que nous avons utilisé le budget, nous faisons ça, nous voulons avec, non? Alors, c'est comme ça, nous toujours fait. Mais il n'est pas correct, il n'est pas normal. Faut à gagner. Ça fait chèque ça met dehors pour qu'à tout corriger cahier parlement. C'est pas vous même non sénateur Lambert qui pour dit c'est pour un acte de corruption. C'est pas vous même qui pour dit ça. C'est ULCC qu'on y a là le, parce que tout le monde déjà son acte de corruption. C'est un coup qu'on combien bas en bas table, il y a n'importe qui monni. N'importe qui monte, est-ce que tout parlementaire yo c'est même montant yo joine, est-ce que tout monde que yo engagé pour travailler dans l'État, même le c'est contractuel, est-ce que yo gen un contrat, est-ce que tout contrat yo, tout monde qui travaille dans bureau passer devant cour supérieure des comptes,
tant que nous prenons pour des idiots. Et puis ou dou yo choisi n'importe qui monde de confiance yo puis au fait chèque là sous nom. Pour qui sont fait chèque là sous nom bureau du sénateur Youri la Tortue. Bureau du sénateur Joseph Lambert. Bureau du sénateur Kedley Augustin. Bureau du sénateur et comment le nom comment bon Patrice Dumont. Pour qui ça s'oblige l'argent au bail sont pour prête non, yo chercher n'importe qui monde, yo mettel sous lit. Qui ça prouve que l'argent l'État fait ça nous dit que l'affaire avec là. C'est ça que la corruption, oui. Nous sommes en acte de corruption, en acte de détournement, oui. So, m'espérer que Joseph Lambert pas jamais mette note de presse ça. Note de presse ça vient enterrer au plus, note de presse ça vient montrer son association de malfaiteurs ou yon dan. Mais pas normal, il pas correct. Et sénateur Lambert, oui, c'est jour, ok? Si, comme étant donné son pratique litéye dans le Parlement, ça n'a fait qu'on y a là, n'a pas juste corriger. Mais en attendant, faut institution qui là pour contrôler la corruption, faut regarder. Après ça, nous-mêmes, nous ka corriger. Nous pas qu'on est venu monter là. Et même j'entends, si ou il a tortu, ta ralon zam là, si ou moun la ria, ou gen anit monto di, et comme étant donné que Sorel Jacinthe, te tire au moun la grand danse malgré te pote plate pour le pas rivel alors yo il a tout ce qui n'a fait son bagage normal lié c'est pour acte criminel non l'état pas fonctionner comme ça ça veut dire monsieur suspend prend petite population haïtienne pour des idiots parce que gen de moun qui a expliqué au ça sur Joseph Lambert ou met entrer note de presse ça parce que note de presse ça rend sénat pis sale toujours. Li montre que tout sa moun te qu'on a dit de parlementaire yo, de sénateur, de député yo, vraiment ou vin corroborer avec note de presse sorti a. Parce que son vaste association de malfaiteurs. Et c'est ou nan yon la nouvelle constitution, yo retire sénat là-dedans. Parce que nous fait trop à tort. Et qu'on a essayé justifier avec une note de presse. Ça veut dire que pour sortir notre de presse, tout bagay fini. Non. Au contraire, il faut qu'un bel note de presse tout. Pour ULCC mettre l'enfant, le dossier, l'investiguer nous, et puis pour demander explication sur ça tout. C'est très malheureux, Joseph Lambert. Nous continuons avec le bulletin d'information. Nous avons rappelé tout le monde sous fait brancher. On va suivre débat pour excusez-moi, on va suivre Cadence Info, un bulletin d'information passé du lundi au samedi sous Cadence TV Radio. On dit mon yo pas oublier partager, abonner, like et puis commenter et ensuite toujours garder et bulletin d'information jusqu'à la fin parce que nous prêt à gagner des conseils pour nous bail. Sans plus tarder et gros note de presse qui sorti, faut nous lire pour nous et même l'embra faire nous tendre et conférence de presse ça te bail mais quand même forme l'île pour nous et parce que vraiment et ça prouve que nous même la cadence TV radio et le nous parler moun tande le nous parler voix nous rive loin parce que nous toujours dit ça nous même dans cadence TV radio que c'est le bulletin d'information cadence info que c'est le débat pour nous avancer seul et unique but nous c'est l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Nous pas venir là pour nous faire tractation. Nous pas venir là pour ni supporter l'opposition ni supporter pouvoir. Nous venir là pour nous supporter bon bagage qu'a fait dans pays là. Comme pour le moment, c'est pouvoir en place là qu'a posé bon pion yo qui prend la bonne direction, nous obligé supporter. C'est ça lié. Si l'opposition a fait bon bagage tout n'a pas supporter comme l'opposition haïtienne. Ces derniers temps pas comprendre ça crée une opposition, yo même toujours campé sous bruit crasé brisé, fait capital politique sous mensonge, diffamation. Fait capital politique sur violence et intimidation, c'est ça que fait nous toujours. Bayon boalon kembe. Mais le ou edore blason encore, même gens n'ap toujours campé bon côté yo. Parce que nous toujours dit ça, nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui pour permettre que pays avance. C'est pas étranger pour nous venir faire le marché pour nous. C'est nous même qui pour faire le marché. Que le pouvoir, que l'opposition. Et ça que fait nous toujours dit moun, but nous et unique but nous, c'est l'avancement et le progrès de la République d'Haïti parce que le gain stabilité le gain la paix le gain la tranquillité moun ap ka vin investi ap ka créer job assiette fiscale pays d'Haïti ap monter
économie a marché, a gen moins crime, a gen moins vol, moins viol, moins kidnapping, le ça Haïti avancer pour plus devant. On continue avec communiqué numéro 12 que premier ministre lui-même et li mettait dehors n'a appelé pour nous et tout de suite après tout n'a fait nous tendre et conférence de presse et une deux points qui vraiment attire attention pas oublier nous gagne quelques jours n'a parlé de la douane n'a parlé de armes illégales balles illégales cap entrer dans pays là yo adressé ça et pas oublier tout dernièrement nous parler de machines vite teintées. Ah, nous allons faire un petit parler sur ça, l'enfin émission. On lit pour nous. Communiqué numéro 12. République d'Haïti. Le premier ministre. La primature informe. Et on nous font un agrandir. OK. Pour nous pas faire fly. OK. Et la primature informe le public en général, la presse en particulier. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et faisant suite aux décisions arrêtées en Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, du dimanche 28 février 2021, le Conseil de gouvernement de ce jour à 3 mars, de ce jour du 3 mars 2021, a décidé d'adopter les mesures suivantes. 1. Désormais, les conteneurs transportant des effets personnels seront reçus uniquement au port de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Je répète encore. Désormais, les conteneurs transportant des effets personnels seront reçus uniquement au port de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Le ministère de l'Économie et des Finances est chargé de l'application de cette disposition. 2. Interdiction temporaire des vitres teintées pour tous les véhicules en circulation sur le territoire de la République, y compris pour ceux de la police nationale d'Haïti, à l'exception des véhicules portant la nouvelle plaque d'immatriculation officielle, nouvelle plaque, pas ancienne plaque, nouvelle plaque, immatriculation officielle, corps diplomatique et corps consulaire. Et l'en communiqué ça a tout gagné quelques bagay que n'pas d'accord avec et que quelques suggestions et recommandations pour le faire. Cette mesure s'applique à partir du samedi 6 mars 2021. Passé ce délai, les services de police sont autorisés à utiliser les contraintes légales prévues au code de la route et à la loi pénale. 3. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Défense, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, la PNH sont directement responsables de l'application rigoureuse de la mesure relative à l'interdiction des véhicules à vitres teintées. Les ministres et les directeurs généraux et les autres responsables des institutions publiques veillent à la mise en œuvre immédiate de cette mesure concernant les véhicules immatriculés SE et IT, relevant de leur gestion. La population est invitée à collaborer à l'application de ces mesures en dénonçant tout véhicule circulant sans plaque d'immatriculation et avec les vitres teintées en appelant au 38 38 11 11 38 39 11 11 et à partir de ce vendredi 5 mars courant au 122. 5. La situation appelle à des mesures exceptionnelles pour la sécurité de tous et requiert la compréhension de la population et de toutes celles et de tous ceux qui avaient déjà payé leurs droits de tête. Nous finissons l'île là, m'a fait nous tendre et premier ministre hein, avec toutes les ministres concernés qui t'a adressé à la nation sous mesure ça yo. Et après n'a fait ti commentaire que n'te dit nous pral faire parce que gen bagay là que nous pas d'accord. On nous quitte nous tendez et puis n'a retourner tout à l'heure pour commentaire et analyse. À tout à l'heure. Et gen ministre nous pas là mais en principe
nous là suite à un conseil de gouvernement. Donc ça veut dire que même sous parole nous là sur échantillon toutes ministres et toutes secrétaires d'État yo dehors. Nous saluer tout la presse et qui présent et médias qui là yo. Donc on est que yo pral font relais de toute information qui pral sorti là. Donc on est réseaux sociaux, faut saluer tout parce que yo très actif. Presse écrite, presse parlée, presse télévisée. Nous saluer tous téléspectateurs yo. Jeudi, c'est mercredi 3 mars 2021. Et faut me dire, le mois de mars, là, c'est un mois extrêmement riche. Et ce n'est pas seulement un événement politique, mais c'est aussi un mois très riche en événements culturels en général. Par exemple, souvent, le mois de mars, c'est le 8 mars, bientôt, c'est la journée mondiale des droits des femmes. Le 20 mars, pour ça qui vient en tête, point, c'est le jour mondial de la francophonie. Nous connaissons une communauté qui est extrêmement importante dans le monde et Haïti est partie prenante de cette grande communauté culturelle et linguistique qui s'appelle la francophonie. Le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre. Le 29 mars, c'est un jour important pour la constitution haïtienne. Mais nous pas là à soi pour ça. À soi nous là suite à des mesures qui te prend récemment et qui étaient décidées par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui était accompagné à ce moment-là du Premier ministre, Joseph Jout. Il était accompagné tout de différents ministres, notamment le ministre intérieur, Mdewella, Défense, était là, Justice, était là, secrétaire d'État, Communication, Mdewella Lando, à extrême gauche. Il était un bon parti dans le gouvernement, était là, et il y a une mesure qui était prise, un ensemble de mesures, une très mesure qui était prise. Suite à 30 mesures, ça, il y a un conseil de gouvernement qui souhaite réfléchir encore sur nécessité pour annoncer non, à Soya, mesures ça de manière solennelle et que désormais, c'est une arme de combat qui prend, qui est décidée par le chef du gouvernement qui va parler Kounia, nous va céder la parole pour que nous combattent le phénomène qu'on est, qui préoccupe toute la population, c'est le phénomène de l'insécurité. Premier ministre, j'ai l'honneur de vous céder le microphone. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, alors les deux secrétaires d'État à la communication et le secrétaire d'État à la sécurité publique, chers journalistes, merci d'être venus. Moi, là, pour annoncer des mesures que nous prenons. Un, des conseils SPM qui étaient faits en prélude à yon l'autre CSPN spécial qui était fait avec l'assistance du chef de l'État dans le ministère de la Justice. Et nous sommes dans un conseil de gouvernement là, m'a pral dicté qui mesure que nous prenons. C'est des mesures qui étaient que nous prenons dans le conseil des ministres. Première mesure là, tout gouvernement a décidé que conteneur qui a rentré dans le pays a passé par là avec des effets personnels, il y a bien pour recevoir seulement dans le port Port-au-Prince avec dans le port Cap-Haïtien. Désormais, le ministre de l'économie et de la finance est responsable pour faire appliquer les mesures sérieuses. Deuxième mesure, là, c'est que toute machine teintée, machine vite, ça veut dire vite fumée, yo interdit ou yo roulé sur tout territoire public là à partir de samedi 6 mars. Quel que soit moun, yo joine kap roulé avec une machine vite teintée, vite fumée. La police apprend mesure que la loi prévoit pour ça contre. Seule machine qui a exempté de mesure ça, c'est machine qui a une plaque officielle, nouvelle plaque officielle là, qui a une couleur jaune. C'est machine corps diplomatique,
ces machines consulaires. Nous connaissons pour nous poser une question et machine policière. Même machine police pas gain droit, machine la police, machine PNH, pas gain droit circuler avec des vitres teintées. Le la police besoin circuler avec vitres teintées, la mettez sécurité dans le pays. Mesure ça, les concerner Premier ministre Lantou, qui a une machine privée, mais Premier ministre Lantou, pour le sortir de la machine privée, vite là pour obliger clé. Pour tout le monde figure, le besoin machine, la machine vite teintée, machine privée, bien entendu, la mettre sécurité dans le pays. Li valable tout pour toute munition, quel que soit ministre, ou pas de droit circuler avec machine privée ou à vite teintée la donne. Parce que l'État ba ou yon machine qui gon plaque officielle la donne kap autorise ou le avèl. Ministère intérieur, ministère de la Défense, bureau secrétaire d'État à la sécurité publique, la police nationale, yon responsable pour faire appliquer mesures à à la lettre. Directeur général, avec tout l'autre directeur, concernant organisme autonome, concernant organisme déconcentré de l'État, ou a gagné sous responsabilité pour faire appliquer mesures à la police n'est pas responsable pour détecter vite machine go. Ou a gagné pour détecter vite machine ou pour corps. Et si la police veut nous avec on machine vite tente, l'a gagné pour appliquer la loi contre ou même. Et maintenant, des populations en temps pris font souffrir. Nous connaissons des gens qui payaient pour tente vite machine. Nous sommes conscients de ça. Mais j'en situation y a marin gwap volo pa kon ni mal ni femelle tant pri font ti souffrir parce que pito la quoi à la kayo au lieu la quoi a marcher devant porte moun sérieux comme ça dans pays a son situation exceptionnelle nous prend des mesures exceptionnelles c'est pour ça n'a demandé pour nous faire un petit souffrir parce que son mesure temporaire en attendant que nous mettions l'ordre avec sérénité dans le pays d'Haïti. Merci en peu. N'a pas rappelé nous souffrir brancher ou à suivre bulletin d'information Cadence Info. Un bulletin d'information passé du lundi au samedi sous Cadence TV Radio. Sans camper, n'a continué avec et DG la police là qui font descendre là où il y a tout parce que c'est un genre pour motiver troupe là et aussi pour commencer bay moun plus confiance dans travail qu'a fait. Pas oublier me dit nous tout de suite après nous pral faire commentaire et analyse sous mesure ça qui prend qui ça nous est qui manquer et qui ça nous est qui bon tout qui ka permettre que sécurité retourner blay dans pays a. Pas jamais oublier ça. N'a vont gros coup de chapeau pour Rigal Rousier. Et n'a vont gros coup de chapeau pour tête nous tout. Qui t'a parlé de causer DTT vite machine. Opération DTT toute machine. Et nous fait quelques temps à faire ça. Et en yon récit, mettez ça sur le terrain. Et nous espérons le pral bay résultat. Et gen l'autre accompagnement pour faire avec tout. Encore une fois, bravo Rigal Rousier. Et m'a dit bravo Hébert. Qui te et le mouvement. Détenté vite toute machine pour couper kidnapping. N'a continué avec DG Léon Charles lui-même qui t'a font parler là avec la presse. Nous connaît le descend là et en bandition un jeu pour ka motiver troupio et pour ka remettre confiance encore la société haïtienne. La police a été en rapport de haut commandement. Pour nous te ouais ensemble qui mesure pour prendre pour nous couper
phénomène d'insécurité, spécialement remonter des cas d'enlèvement. Pour ça, on a fait, c'est pour nous rassurer la population, au commandement de la police, avec tous les policiers, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à problème de sécurité. Nous avons une mesure pour nous permettre que la population travaille avec nous, pour nous capter plus d'informations pour nous gagner, pour nous capter plus de résultats. Nous avons mis un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Numéro ça c'est 122. 1, 2, 2. Cap opérationnel à partir de vendredi. Pour que la population puisse relayer la police, là, la première information pour agir rapidement ou bien pour nous traiter, pour nous agir après. Parce que le problème de kidnapping, là, c'est un problème de police. Il y a un problème de société. Côté tout le monde doit participer à la donnée pour être capable de rétablir la confiance, pour être capable pour la population capable de rapprocher de la police. J'aime dire là, son responsabilité partagée. La police est prête pour jouer Wolfal et n'a pas numéro de téléphone ça. 122 24 sur 24 qui est disponible pour prendre information dans la population. L'app disponible vendredi, mais entre temps, la population qui a utilisé le téléphone Sayo 38 38 11 11 38 39 11 11 38 38 11 11 38 39 11 11. Donc c'est le lien que nous avons établi avec la population pour ensemble. Le principe de responsabilité partagée ça pour nous capables stopper le phénomène que famille a souffert, société a pas capable encore. Et la police a dit, avec vos commandements, nous à terre. Nous remettons tout dans pile monde. La imposé tête en tant que négociateur. Sans y'a pas d'autorisation, par un monde qui enlevé. Sans y'a pas de travail avec la police. Nous savons qu'on connaît le comportement ça, pas bon. Et la police va réveiller pour nous qui motivation. Parce que tout ça rentré dans la stratégie que nous avons utilisée pour freiner, monter, cas enlèvement. Jean Noué, la police a mobilisé, nous avons fait 24 sur 24, nous avons fait des fouilles, intensifié des fouilles à travers la zone métropolitaine, question VINTT, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui n'est pas actualisée, la police n'a pas gagné, pas spooké, la police a fouillé tout le monde. Ces mesures préventives que nous allons faire, que nous avons peur et que nous avons essayé de faire, nous avons pour nous capables de couper le phénomène. Et c'était DG Léon Charles. Et comme nous toujours dit, et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, c'est la même idée de ça, matin, hein, de très tôt. Et DG Léon Charles lui-même, et il a fait inspection parce que pas oublier. Mot d'autre qui passe kounya là, c'est quel que soit machine, depuis c'est pas machine officielle, si c'est service de l'État ou pas katente, c'est seule machine officielle, corps diplomatique avec corps consulaire, seulement machine de l'État, service de l'État, SEO, pas supposé gagner tête là-dedans, machine la police, pas supposé gagner tête, eh bien, DG Léon Charles, lui-même, il t'a fait une petite inspection en d'un pack véhicule police nationale là et il a commencé détenter. On quitte nous garder et puis on a retourné pour commentaire et analyse. Donc son conseil me va être tout. La police là où on voulait rétablir confiance, nous avons un numéro 122 qui va être full fonctionnel demain, mais essayez le voir au fur et à mesure que l'appel a commencé à établir. 38 39 11 11 que nous baillons là, nous demandons des populations réelles pour nous faire prévention, pour nous collaborer à la police. Mais les policiers clairement identifiés, campé, arrêtez au ponchette,
vete, collaborer parce que surtout lui, nous sommes capables de risquer vie et risquer l'autre vie du monde qui est dans la rue. Okay. Opération demain message à l'ancien, tu viens 24 heures, 12 heures, tu peux pas faire ça. Détendez la caillou. Détendez la caillou, collaborer avec la police. Okay. Pour ne pas obliger de détendre, on est là-haut. Okay. Parce que c'est une décision pour détendre tout le monde, on a demandé tout le monde participation. Moi-même, par exemple, on a demandé tout le policier par exemple, pour que la population, pour que cette patte blanche, et comment tu vas là, j'ai ouais, bouge pas les. J'ai ouais, bouge pas les, on fait l'ensemble. Parce que la situation, ça a affecté tout le monde, on fait l'ensemble. Merci. Bon, et c'était DG la police, Léon Charles. Bon, qu'on y a là, nous avons fait cette analyse et commentaire parce que nous arrivons là au côté et nous avons prétendu qui ça nous pensait. Et parce que nous avons déjà fini de parler déjà de nous avons opinion sur et note de presse que Joseph Lambert a mis sur acte de corruption que parlementaire, ou plus précisément sénateur, Youri La Tortue. Comme c'est lui nous joue un chèque li et bon chèque tu le te mette sous nos maman li et nous te gete bay opinion déjà sou li kounye la nous pral bay opinion nou sou nous ka di communiqué numéro 12 lan sorti suggestion et recommandation nous comprendre li ou ti jan tout ça ka ta fin sorti yo di c'est machine officielle et m'ap ban nou bonté tout. Raison que fait machine officielle corps diplomatique et corps consulaire yo gen droit gen vite tenter gen droit gen vite tenter mais c'est plaque qui actualisé pas oublier tellement te gen désordre dans affaire plaque officielle ou équipe parlementaire ou équipe ancien fonctionnaire de l'état yo te toujours kembe plaque officielle yo la main yo so kou yo vin bay l'autre plaque officielle et c'est seulement plaque officielle qui actualisé yo corps diplomatique qui actualisé yo corps consulaire qui actualise yo. Gen pile moun ki di, disposition sa te supposé prendre pour toute machine officielle yonet. Non. Parce que kounye la, yo sensé vin réduit poule la. Automatiquement, son plaque actualisé officielle, diplomatique, corps consulaire qui genye tête là-dedans, qui tente, ou zak fait là-dedans, y a pour monter moun yo. Ma comprenne si nous kote ni. Si nous est côté nous y a là ça veut dire yo vinn censé diminuer pas oublier en 20 communiqué ça t'est passé c'est presque combien millions machines en Haïti qui gen vite tenté nous pas contre si nous ouais ça me veut dire nous là ça veut dire il pas tellement grave mais si c'était nous même qui t'a prendre mesure là nous t'a seulement quitter ces cortèges présidentiels là avec cortège premier ministre seulement que t'es carré machine teinté et c'est le seulement y a un exercice ça veut dire les a transporté président bien transporté premier ministre automatiquement soit selon bureau soit selon palais ou bien primature soit selon n'importe qui côté mené yo yo gen doit circuler mais automatiquement que le président de la république il parle en cortège a fait pour camper côté président hier ou bien le premier ministre parle en cortège là cortège premier ministre fait pour l'ali et c'est yo seulement t'a autorisé qui pour gagner vite tété seulement les deux cortèges seulement cortège président de la république là cortège premier ministre après toute l'autre machine que c'est officiel que c'est diplomatique que c'est consulaire tout t'a détété et en plus de ça ça n'a fait nous même qu'on est là n'a renforcer la police nationale pour mettre yo pour gagner checkpoint sur toute l'étendue du territoire national tout temps. T'as toujours été check-up fait. Toujours été check-up fait. C'est comme ça. Gardez pour nous, les grands pile pays là. Toujours été checkpoint. Parce que pas oublier, nous parlons temps normal, qu'on y a. C'est ça pour un pile monde. Pas fait, ouais, ça, oui. Le moment salarié là, gon question de kidnapping qui motivé par la politique, cap craser pays, hein, cap détruit image pays, hein, ça veut dire son moment spécial. Les gens moment spécial ou fait pour prendre des dispositions spéciales. C'est ça fait pendant quelque temps. Nous t'a poussé causer pour détecter vite machine yo. Nous t'a posé causer la douane nan. C'est ça parce que nous remarquons c'est à partir de point ça yo dans la douane nan, vieux âme illégal entrée, balle illégal entrée, marchandise illégale à entrée. Yo résout problème ça. Mais kounya là vite tété
comme yon prend disposition ça là, n'ap gade pendant 2 ou 3 semaines qui résulte la bay. Premier bagay pour nous gantan wè, automatiquement que décision passe hier, jodi a pa gen kidnapping. Yonik annonce l, pa gen kidnapping jodi a. Bakon si nou wè kote nou aller là. Yonik annonce mesure yo. Mesure yo pou kome aplike, parce que mesure yo a pa aplike le 6 kap samedi. Gade pou jodi a gen pa gen kidnapping. Demain pa gen kidnapping, ainsi de suite. Ça veut dire mesure a commencé en attendant que bandi yo même kidnappé yo chercher l'autre stratégie. Mais c'est le ça pour la police nationale. L'armée d'Haïti tout profite envahi yo. Parce qu'on y a là, gen de moun la police qu'on a cherché cap passé la machine vite tête devant la police. Il y a passé parce que si yo gen un ancien policier ou un policier fantôme 509 qui konn mot de passe là qui dit le son papa. Mais derrière, ou pas qu'à fouer jouer dans la machine là. Pendant ce temps, il y a transporté zam, il y a transporté bandi, il y a transporté matba illégal, drogue tout bagay. Ce qu'on y a là, détente vite là. Vin bay on souffle. Qu'on y a là, n'importe qui zak qui fait. Depuis son machine officielle avec plaque, nouveau plaque yo. Qui fait le plus facile qu'on y a là, parce que le sa quantité a réduit. Quantité a réduit, la plus facile pour investiguer. C'est là que nous comprenons. Parce que nous comprenons. Et en plus de ça, tout, nous trouvons l'indécent. Maintenant, de Steven Ivanson Benoît qui a parlé, comment monsieur a fait sénateur de la République? Comment il a fait député? Depuis que je suis entré dans la cause des partisans là, tête yo patinet, oui. Ivanson, Steven Ivanson Benoît, contre mesure ça, oui. Ou on dit prétexte yo prend là. Et m'attend des pour dire que c'est des journalistes qui ont dit ça. T'as coup, nous sommes dernièrement de dire ça. Le Haïti gen la paix, la tranquillité, la sérénité. Go équipe journaliste, go équipe politicien. Go équipe Zefeis, go équipe oligak kompu, yo pa reme ça. Faut toujours gen trouble dans pays a. Bagay dwa zimi, yo pa reme gen la paix la tranquillité non. Faut toujours gen trouble pour faire rapport. Journaliste, faut toujours gen des désordres de dégâts qu'a fait pour la pas accuser l'état. Parce que nous pa gon presse objective en Haïti. Une presse qui parlait de minoterie d'Haïti. Ou j'aime donner la presse à parler de ça. Ou j'aime donner la presse à parler, la presse haïtienne à parler de minoterie, aciérie d'Haïti, ciment d'Haïti. Ou j'aime donner parler de ça. Ou j'aime donner la toute revendication que soi-disant moun qui dit dans l'opposition fait, puis on mandé, puis t'a retourné avec Asco pour nous suspendre à chercher sucre voisin pour créer emploi. Nous donner ça. Non, parce que nous pas gon presse objective. Nous avons presse qui chita sous manipulation. C'est à partir de ça qu'on fait kobio. C'est à partir de ça qu'on a rançonné moun ki l'administration. Yo. Oui! Parce que, les nègres chaque jour avec fond dans la palé l'administration mal. La palé mal. La prétendre qu'il est pour ministre ou bien directeur général là. Ou bien secrétaire d'État Rilil pour le dire à mon cher, ben mon petit brique non. Mon petit subvention pour là, oui. C'est ça qu'on a tonne. C'est ça qu'on a pas une presse objective ou presse cap permettre que pays avance. Presse ça c'est rôle. C'est former et informer. Nous pas une bagon presse. Nous pas une presse depuis nous lever à 5h du matin attendez. C'est jouer à jouer gouvernement net aller, jouer pouvoir net sans arrêter. Ou j'aime tendre proposer presse ça tout gain rôle ça. Est-ce qu'on j'aime tendre yo faut revendication qu'il avantage population jamais. Tout ça on parle bagaille politique. C'est une raison que nous, même dans le cadre de CV Radio, nous dit faut changer l'autre des choses. C'est ça qu'il faut remarquer. Dernièrement, nous avons parlé de magasin de l'État. Il a commencé pour une petite traction. Mais vingé, actualité, vingé. Nous avons poussé sur lui. Ou j'aime entendre la presse haïtienne parler de magasin de l'État. Pendant Abdou, prix a monté tête nègre
pas de compétition, son seul groupe moun seulement dans le pays ka, qui a fait faire entrer, qui a fait manger entrer, qui a fait pour qu'il soit pas essayer sensibiliser population hein, pour demander que gen magasin de l'état, il pas plein intérêt yo. Les gen magasin de l'état oligarque corrompu qui gen monopole la lanmen. Il pas ba ou réclame encore. Il pas ba ou subvention encore. Il pas faire cadeau machine blende encore. Il pas bâtir caille pour encore. Vous comprenez? Ça veut dire faut toujours kembe Haïti dans l'insalubrité, mais heureusement que gen de moun qui prend courage à demain yo. Que seul intérêt moun sa ou, c'est intérêt l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Pour Haïti vivre nos pays, même j'ai tout l'autre pays, côté il fait bon de vivre, côté moun ka respirer, nous même n'avons toujours kebe flamboua pour nous continuer à faire travail là. Et ça, oui. C'est différent ça, gen. Le gon presse qui pas objectif, le gon presse son presse coupion, qui en bas zèle oligarque corrompu, pour m'obtenir Steven Benoît. En puis, le palais. Journaliste a pas dit le couec. Marie-Lucie Bonhomme, oui. Non, Marie-Lucie Bonhomme, matin, pendant la bulletin d'information, oui. Pour y venir, son Benoît Abdou, défimé vite, là. Koun yal albra fait bandi au ka oué. Moun ki mette vite tete pour ka protéger yo. Pour moun baye koume moun kat de machine. Depuis qu'il est Haïti, de koun ki baye vite fumé comme ça. Depuis qu'il est. Qui soit caché. Qui soit caché. N'a pas de deux trois bonnes qui relè. Mais moun soit MCR, yo fait moui. Yo dit, vite pimi a pas la intérêt ou même parce que le yo font follow avec ou fide yo. Non, bagay, monsieur. N'a pas de sécurité nationale, oui. Et puis moun yo, c'est bêtise à bêtise. N'a pas de, qui est-ce qu'on Edmond Supplice Bozil. Kap di, et 10 000 goud moun yo te paye pour te tente vite yo a. Ki sa l'état fave yo. Parle de sécurité nationale au pays, oui. M'attendez l'autre ancien député qui était menacé au PCA, Deïs Déonet, a dit même parole là tout. Ou et 10 000 goud la moun débat. Pendant ce temps, on a parlé de vie et de bien. On a parlé de moun qui a fait kidnapping, qui a retiré l'argent dans la population haïtienne, qui a appauvri yo. Ça a vu nous montrer, nous, l'un qu'on a parlé, nous pas de science infuse. Ça veut dire, nous pas kon tout bagay, mais parole nous fait sens. Nous te kon toujours dit nous ça. Nous te kon toujours dit nous que kidnapping nan li associé avec mouvement déstabilisation pour chavirer président de la République. M'a dit nous ça. M'a dit nous c'est fantôme 509 qui associé pour faire bagay ça ou que le kidnapping nan. Te dit non. Et c'est bramé l'opposition, bramé bagay ou le SPNH là. Expliquez nous ça. Décision ni prend hier, pas grand kidnapping jodi a. Comment nous comprenons ça? Comment nous comprenons ça? De toute façon, nous même dans le cadre de Civi Radio, dans bulletin d'information, n'a toujours accompagné population haïtienne dans tout bon bagay a fait. Parce que les populations a voye pied tout, n'a couru derrière oui. Parce que nous même nous pas venir là pour faire ken moun plaisir, nous venir là pour faire ken moun plaisir, nous venir là nous même pour nous permettre de mieux comprendre politique pays ou, pour qu'on bon citoyen de demain, pour sou ta vin rive l'on position, pour même ou ka délivrer marchandise là. Parce que m toujours dit ça, c'est pas droit seulement moun gen devoir tout pour yon. Ou gen droit, mais faut faire devoir ou. Sou et droit seulement gen, ou pour un citoyen ou pour un citoyenne. Faut gen droit et faut faire devoir ou. Et ça lié. Et c'est ça n'a continué prôner. Que c'est l'ambulité d'information qu'il y a dans ces infos, que c'est l'un débat pour nous avancer. C'est sur notre salle de tout le monde. Merci du fait que nous te permettons d'entrer dans la caille. Et pas oublier, coronavirus a toujours bel et bien existé. Mettez cache-nez, respectez la distanciation sociale. Et lavez maintenant, utilisez hand sanitizer. Et puis pas oublier, ça c'est le plus important. Partagez l'émission sur toutes les réseaux sociaux. Partagez pour plus de monde qui ouais, pour plus de monde qui attendait, pour plus de monde qui comprendre ce qui a passé, et pour tout, plus de monde. Parce que c'est décortiquer, n'a pas décortiquer tout ça pas bon qu'a fait dans le pays. Tout menti qu'a bail n'a pas décortiquer. Nous bail des conseils salutaires. Nous permettons de mieux comprendre et nous bail information. Ça veut dire partager sur tout groupe WhatsApp yo, sur Facebook, tout côté Twitter, tout côté nous partager, partager. N'a pas dit tout le monde à demain pour l'autre bulletin d'information parce que nous même nous toujours là comme nous dit
nous pas fait nouvelles, nous bye nouvelles. N'abdi tout le monde, merci, bye bye, et à demain pour le bulletin d'information. Bye bye tout le monde.